Bonsoir et bienvenue. Bon, on a tout essayé. Ce soir, chez vous, elle est où? Ah là, Caroline Diamant. Jean-Bernard Hébé. Philippe Gueluc. Sophie Garel. Jean-Luc Lemoine. Et Maureen Dor. Alors, autant vous le dire, Jean-Luc, depuis tout à l'heure, il s'en fiche, on va recevoir Patrice Dard pour son bouquin, on va parler d'actualité, on va parler des nounous, mais lui, Jean-Luc, depuis tout à l'heure, il y a qu'un truc, c'est Marjolaine, est arrivée Marjolaine? Et à quelle heure elle vient Marjolaine? Ce sera à la fin de l'émission. Et alors là, je vais dire en plus, pas du tout. Je veux dire franchement, je vous dire à quel point que je suis insensible, je suis même plus excité par les diamants, donc Ah mais attendez, c'est ça qui est drôle, c'est que Caroline et moi, depuis tout à l'heure, on essaye de faire Marjolaine du pauvre un peu. On essaye d'avoir des poses un peu sexy, mais ça marche pas du tout. On essaye. Je crois que vous faisiez des grimaces pour nous faire rire. Vous êtes un peu vous êtes un peu marjolin vous-même. Oui, je sais bien. Non, mais je vous dis, franchement, c'est par dépit. Je sais très bien que j'ai aucune chance avec elle. J'ai un livret A, c'est tout. Donc, je ne pourrais pas l'intéresser. Mais je pense pas qu'elle connaisse tout l'alphabet. Vous êtes charmante, Caroline. Oui. Merci. Non, vraiment, hein, c'est fou ce que la télévision vous a transformé en deux ans. C'est marrant parce que vous voyez, j'ai contracté tout le corps, j'attendais une vacherie derrière, mais non, c'est juste un compliment. Vous voulez dire, c'est pas parce que il veut dire vous êtes charmante aussi comme ça. Il veut pas dire que vous êtes bien à la télé, moche ici de visu. La télévision vous a, le succès vous a rendu encore plus belle que vous n'étiez. Ça te va très bien, le collier de chien, vraiment. On va passer tout de suite à la photo du jour. Cette photo, c'est celle de la Toya Jackson, publiée par Le Point cette semaine. Regardez, la Toya Jackson, c'est la sœur de Michael Jackson. C'est chouette parce qu'ils se ressemblent de plus en plus. Encore une ou deux opérations, ils pourront venir se réfugier en France en se faisant passer pour les frères Bogdanov. Hein. On dirait pas une photo, on dirait le personnage du musée Grévin. Si elle rentrait au musée Grévin, elle serait à peu près comme ça. Elle fait quoi alors, la Toya, la sœur de Michael Jackson? Elle vend des voitures, elle est concessionnaire la Toya. Je crois qu'il est temps de passer à la revue de presse des dessins humoristiques de la semaine. Et on commence avec Rançon dans Le Parisien qui nous rappelle que Lionel Jospin est favorable à la Constitution européenne. Il a dit oui, pour l'Europe, je voterai oui. Il y a un Français qui dit d'accord, mais au deuxième tour. Le président Chirac était à New York, lui, cette semaine, au siège de l'ONU. Il a, vous savez, fait beaucoup pour les pays pauvres. En tout cas, il a eu un vrai discours là-dessus. Et ce dessin de Carleroux nous résume, dans Le Canard enchaîné, la situation. Il dit « Les pauvres des pays pauvres ont une authenticité que n'ont pas les pauvres des pays riches. » C'est pas faux. Jean-Pierre Raffarin ne va pas très bien dans les sondages. Les dessinateurs s'en donnent à cœur joie. Par exemple, Lefred Touron dans Le Canard enchaîné. On voit le couple Chirac qui regarde Raffarin lors de son passage à la télévision, au journal. Et Madame Chirac dit à son mari « Dis donc, on dirait déjà des images d'archives. » Toujours Raffarin, vu par Potus dans Le Canard enchaîné. Et là, c'est Monsieur Raffarin qui, pendant les journées du patrimoine, fait visiter l'hôtel Matignon. Il montre son bureau. Il dit « C'est à ce bureau que je ne décide plus de rien. » Le dessinateur Luz dans L'Humanité nous dit que Raffarin favorise l'emploi à domicile. Et on voit Sarkozy qui dit « Promis, en 2007, je vous embauche comme majordome, monsieur Raffarin. » Dans Le Canard enchaîné, Lefred Touron, toujours sur le Premier ministre, qu'on voit à son bureau, il paraît qu'il y a des tas de désertions parmi les conseillers du Premier ministre en ce moment. Et il y a une femme de ménage qui passe à travers la porte du bureau et qui dit « Ah tiens, vous êtes encore là !» Un dernier pour la route sur M. Raffarin, Honoré dans Charlie Hebdo. Et Raffarin cherche à se multiplier dans les médias. Il dit « Je veux remonter dans les sondages. » C'est mon préféré. Autre sujet, Luz dans Charlie Hebdo revient lui sur l'arrivée sur le marché de la nouvelle Renault, la Logan, qui coûtera pas cher. La création d'une voiture pour les pauvres, dit Luz. Et Raffarin ajoute, ça tombe bien, j'ai créé plein de pauvres pour les voitures. On reste dans le domaine automobile avec le Mondial, le salon de l'automobile, hein, qui ouvre ce week-end à Paris, porte de Versailles. C'est à nouveau ce dessin de Rançon dans Le Parisien. On voit un vendeur qui dit à un client « Vous êtes intéressé par cette voiture ?» Et le client malin répond « Pas du tout. J'essaie juste de me faire remarquer par votre concurrent pour qu'il me consente une ristourne plus importante. » Je vais y aller. Qui va au Mondial de l'auto? Non, pas vous, Philippe? Non.
Oh non, qu'est-ce que j'irai faire là? Bah, choisir une voiture. Ouais, bah, mais non, déjà, vous rendez compte, les gens vont vers la voiture, il y a des embouteillages pour y on aller, il n'y a pas une place à se garer. C'est épouvantable. Et à l'intérieur, il n'y a plus que des voitures aussi. Et puis, surtout, il y a des hôtesses. Ah, voilà. Et c'est surtout ça qui est important. Ah, bah, c'est marrant ce que j'allais dire, que si j'étais célibataire, j'irais. Voilà. Ah oui, c'est un lieu bah, de oui, drague. Ça doit être un lieu de drague. Pour les super. Filles, elles font semblant de ne pas connaître les voitures. Vous pouvez pas m'expliquer, s'il vous plaît? Oui, comment on ouvre le coffre? Alors, c'est le mondial de l'automobile, mais c'était aussi cette semaine la journée sans voiture, qui a eu lieu, je crois, mercredi. C'est à nouveau ce dessin de Delis dans François, parce qu'elle n'a pas été très suivie, la journée sans voiture. Et on voit un agent de la circulation qui arrête un automobiliste, qui dit exceptionnellement, pendant la journée sans voiture, il est interdit de circuler dans les voies piétonnes. Oh, vous allez fort, dit l'automobiliste. C'est un peu le résumé de ce qui s'est passé. À propos de circulation routière, les motards étaient en colère le week-end dernier. Ils manifestaient contre les feux de croisement. Ça a inspiré ce dessin à Cabu dans Charlie Hebdo. Motards en colère. Et ils disent, on va finir par voter Fabius. Le dessinateur Riss dans Charlie Hebdo revient sur les problèmes judiciaires de Charles Pasqua, encore un jeune emmerdé par les flics. Dans Le Canard enchaîné, le Fred Touron revient, lui, sur la nouvelle campagne des hommes contre les violences conjugales. Et on voit un type qui dit à sa femme, on ne doit plus dire femme battue, on dit homme violent. Ça va, t'es contente? Allez, on termine. On n'a pas pris de dessin du chat, Philippe Gueluc, puisque vous êtes là parmi nous aujourd'hui. Parmi nous? Ah, vous serez assez violent. Mais... Je suis sûr que vous adorez les aventures de Maurice et Patapon. Ah, j'adore. Et je trouve que Charb est un très grand dessinateur. Alors, regardez les aventures de Maurice et Patapon. Comment tu fais avec les filles qui couchent pas au premier rendez-vous? Bah, je vais pas au premier rendez-vous. Je vais directement au deuxième rendez-vous et je les nique. En France, et particulièrement à Paris... Les places dans les crèches et les haltes garderies sont rares. Les parents sont donc obligés d'avoir recours à des nounous pour garder leurs enfants. 57% des parents déclarent avoir beaucoup ou énormément même de mal à trouver une nounou. Il faut dire aussi que les parents sont exigeants. Ils veulent que la nourrice soit à la fois sympathique, disponible, expérimentée, instruite. Et puis, si elle fait le ménage, la cuisine et qu'elle accepte d'être sous-payée, en plus, c'est pas plus mal. Forcément, c'est dur comme ça de trouver une bonne nounou. Pour parler de ce sujet, nous allons tester ensemble une mère de famille qui vient de sortir un livre intitulé « La nounou, nos enfants et nous ». Ça fait beaucoup de nous. C'est paru chez Albin Michel. Voici Emmanuel Favreret. Bonjour. Vous êtes vous-même maman de 3 enfants. Absolument. Et vous travaillez? Et je travaille. Donc vous avez une nounou? Oui, j'ai une nounou. Une bonne nounou? Excellente. Je la connais depuis 8 ans et c'est à elle d'ailleurs que j'ai dédicacé l'ouvrage. Vous avez la même nounou depuis 8 ans? Vous ne vous êtes pas trompée sur le choix? Je ne me suis pas trompée. Alors déclarez, j'espère, parce qu'après votre passage à la télé, vous risquez d'avoir des soucis. Évidemment. Une bonne nounou est une nounou déclarée, madame. Oui, absolument. Parce qu'autrement, c'est une nounou qui peut se tirer quand elle veut autrement. Avec les gosses. C'est vrai. Un jour, moi, des douaniers m'ont dit « Vous n'avez rien à déclarer ?» J'ai dit « Si, ma nounou. » C'est la forme en Belgique. Ouais. Chez Albin Michel, vous publiez donc ce guide. C'est un guide, hein, on c'est peut un dire, guide pratique. Pour oui. trouver une nounou. Et, oui. et la garder. Et la garder, c'est vrai que c'est pas toujours... Enfin, la garder tant qu'on a des enfants, parce oui, qu'après tant on qu'on la... en a besoin, oui. Il y a un moment où forcément, on s'en sépare. Ça doit être triste, d'ailleurs, à un moment donné, pour les enfants. Et plus encore triste pour la nounou, peut-être. Et pour le oui. papa aussi. Pour tout le monde. Ah oui. Bon, alors, c'est quoi le profil type d'une bonne nounou? Est-ce que vous dessinez un profil dans votre livre? Non, justement, on essaye de pas dessiner de profil, parce que ce qu'on dit, c'est qu'il n'y a pas de nounou idéal. Évidemment, tout le monde rêve de Mary Poppins, doublée de Mrs. Doubtfire, mais en réalité, il y a celle qui vous convient, qui convient à ce que vous êtes, vos attentes, vos aspirations. Oui, ça dépend de l'âge des enfants aussi. Ça dépend de l'âge des enfants, ça dépend de votre personnalité, ça dépend de tellement de choses qu'il n'y a pas de portrait robot de la bonne nounou. Est-ce qu'on doit bien payer la nounou pour qu'elle soit bien? Pour la garder, il vaut mieux bien la payer pour qu'elle n'ait pas envie d'aller. Il faut juste que tu te rends compte, Laurent, que dans les squares, tu dans as les si, dans les squares. Dans les squares. Dans les parcs. C'est vrai dans les squares qu'il faut trouver. Dans les. Dans les parcs. Les squares fait vivre. Alors,
alors ça, ça place la barre très haut. Ah, oui. Il faut savoir qu'il y a certaines mamans qui, quand elles cherchent une nounou, vont dans les parcs, repèrent les super nounous et vont les voir et leur disent « Bonjour madame, vous êtes nounou, vous êtes payée combien? Je vous propose 100 à 200 euros de plus. » Ah oui. Donc il faut vraiment être super gentil. Être... Vous avez trouvé une bonne nounou? Alors oui, moi j'ai eu deux expériences. J'ai eu une première nounou et je regrette de ne pas avoir eu votre bouquin parce que j'ai dû m'en séparer, j'ai dû la licencier et j'ai dû payer un avocat pour faire ça bien dans les formes, pour être sûr, etc. Alors que si j'avais eu votre bouquin, en fait, c'est très bien expliqué comment il faut faire, etc. Votre bouquin pour ça est formidable. Et j'ai eu une deuxième nounou. Pourquoi? Alors ça n'allait pas la première nounou? C'est pas avec l'enfant que ça allait pas, c'est avec moi. Ah. Et c'est souvent... Tu voulais qu'elle te garde en plus, c'est ça. Non. Et c'est souvent ce qui arrive. Ça dépend du tempérament la nounou, de la mère. Il faut qu'elle s'entende bien avec les enfants, mais il faut qu'il y ait un vrai rapport de complicité. C'est vrai, ça. Quelque part entre la maman et la nounou. Moi, j'avais une nounou qui me parlait à moi très 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 mal et qui était vraiment très violente avec moi et ça se passait pas bien quoi. Donc voilà, mais elle était très bien avec mon fils. C'est la nounou qui disait à son fils, t'as vu, maman, elle fait encore des conneries à la télé. En même temps, c'est pas mal aussi quand la nounou est à ce point aimée par les enfants que les enfants se prennent à penser que c'est peut-être elle la maman. Souvent, les mères sont jalouses des nounous. Ah oui, ça arrive. Ah, comment il faut faire alors? Il faut envoyer la nounou travailler et puis rester à la maison. Oui, c'est une solution. Le problème serait peut-être tout simplement d'avouer que les enfants, c'est un terrible problème. Oui. C'est oui. un esclavage épouvantable. Ah. Et il y a un philosophe américain qui a dit « La véritable vie commence lorsque les enfants ont quitté l'université et que le chien est mort. » Ça, c'est vrai, alors. Sophie, vous avez eu des nounous? Ah, moi, je n'ai eu que ça. Mais enfin, j'ai eu la chance, faisant ce métier, de ne travailler que quelques heures par jour. Donc, j'ai pioché dans le vivier des jeunes filles au père, Alliance française, Église danoise, Institut catholique. Et l'avantage de ces filles, c'est qu'elles sont d'abord extrêmement bien élevées en général. Les Danoises, par exemple, arrivent et disent « Où est le piano ?» avant de regarder le gosse. Enfin, bon, il y a beaucoup d'exigences. Puis, il y avait aussi une petite Antillaise. Et mon, au bout de quelques mois, ma petite fille, ses premiers mots, c'était « Ah, ah, ah !» Alors j'ai surveillé et je me suis aperçu qu'en fait elle recevait ses coquins dans la chambre, dans la chambre du bébé, et les premiers mots de ma petite fille c'était « Ah, 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 ah. » Sophie vient de mettre le doigt sur quelque chose dont vous ne parlez pas du tout. Pas souvent, pas souvent. Lavez-vous bien les mains. Donc vous ne parlez pas du tout dans votre livre parce que c'est totalement politiquement incorrect. C'est évidemment la nationalité, le choix de la nationalité. Il faut faire comme si ça n'existait pas du tout. Vous n'abordez pas ce problème? Ah mais non, c'est... Un tout petit peu. Je dis effectivement que légalement, vous n'avez pas le droit de tenir compte de la nationalité, de l'origine d'une candidate, ni du sexe, pour la recruter, pour la licencier. Par exemple, il y a des nationalités qui sont mieux que d'autres? Mais non, mais selon le cas, ce qu'on veut, on a eu une nounou esquimaude un jour, elle a mis les bébés dans le congélateur. On était très emmerdés, enfin. Alors, Caroline, vous avez été confrontée donc plusieurs fois à ce problème et vous avez trouvé une solution? Moi, j'ai beaucoup pleuré à cause des nounous. Ça influe beaucoup quand on travaille. Je ne suis pas toujours bien tombée. J'ai eu une néo-zélandaise qui avait une voix de salope, qui répondait avec une voix divine au téléphone. Qu'est-ce que tu entends par voix de salope? Elle répondait, elle était immonde, mais elle répondait « Allô, c'est Simone ?» Tous les copains de mon mari étaient comme des fous, mais elle était très vilaine. C'est pas ça le problème. C'est vrai que c'est difficile de trouver quelqu'un qui fasse les gestes que vous avez envie qu'on fasse par rapport à votre bébé. Et la deuxième chose, c'est que moi, j'ai engagé beaucoup de gens dans mon travail. Et j'avais des qualités qui me plaisaient chez les gens. Et j'ai cherché ces mêmes qualités chez une nounou. Mais la personne que vous voulez avoir au travail, vous ne voulez pas forcément l'avoir chez vous. Ça a été une erreur fondamentale. Tu as cherché des nounous chanteuses, toi? Je comprends non, pas. Non, je n'ai pas cherché des nounous chanteuses, mais j'ai cherché des nanas qui aient un peu des couilles, de la personnalité, machin. Sauf que chez vous, elles vous refont. Effectivement, vous n'êtes plus chez vous, quoi. Elles font tout ce comme elles veulent. Le mieux, c'est quand même par connaissance, non? D'engager une nounou. C'est une nounou qui sera occupée de quelqu'un d'autre. Ouais, bon, c'est ça le plus simple, non? C'est ça le plus simple. Plutôt que de faire des castings. Est-ce qu'elles n'ont pas des permis à points non plus? Non, mais ça pourrait. Ah oui, c'est pas mal. Un landau à 160 à l'heure, hop, deux points au moins. Exactement, un enfant qui tombe par la fenêtre, crac, 5 points. Enfin, oui, des choses comme ça. Cela dit, vous donnez.
Vous donnez une super combine. Il y a plein de petites combines dans votre livre. Il y en a une, effectivement, à laquelle je n'aurais pas pensé, qui est toute simple. C'est que quand vous vérifiez les références que vous donne une nounou, souvent, elle vous donne des numéros de téléphone. Quand elles sont un peu roublardes, elles vous donnent des numéros de téléphone de potes. Et donc, il y a une maman qui, au lieu de donner, par exemple, si elle vous dit « je me suis occupée de Pierre et Jacques pendant 3 ans », vous appelez et vous demandez « alors, il paraît qu'elle s'est occupée de Chloé et Lola ». Et si le mec, en général, quand c'est un pote, il tilte pas sur le nom, sur le prénom des enfants, vous savez que la référence est complètement fabriquée. Ah, génial. Et je trouvais que c'était pas con, effectivement. Hey, petite combine, hein. Ouais, oh, maligne, hein. La nounou, nos enfants et nous, un mot encore, non? Oui, ce que je voulais dire, c'est que je l'écris avec Kitty Buzyn, qui est psychanalyste. Ah oui, c'est vrai. Il y a toujours une psy dans le coup. Il y a toujours une psy dans le coup, hein, qui s'occupe beaucoup des enfants et qui fait aussi de la formation pour les assistantes maternelles. Donc, elle connaît bien le sujet. Et ce qui était intéressant, c'était d'avoir cet éclairage à deux voix. Bon, vous remercie. Emmanuel Favre-Ray, qui publie La Nounou, nos enfants et nous, avec Kitty Buzyn. Merci. Je suis Albin Michel. Merci à vous. Merci, Laurent. Le livre qu'a lu pour nous Sophie Garel cette semaine s'intitule San Antonio tient le bambou. C'est signé Patrice Dard, le fils de Frédéric Dard, et Sophie, elle adore les Dard. San Antonio tient le bambou, c'est le nom de l'ouvrage paru le 15 septembre dernier aux éditions Fayard, qui fait suite à Corrida pour une vache folle, qui avait été un énorme succès. Voilà pourquoi le fils de Frédéric Dard récidive. Patrice Dard continue dans la lignée de son papa. Avant que Sophie nous parle de ce livre, accueillons tout de suite donc l'auteur de ce bouquin, un futur best-seller, évidemment, Patrice Dard. Bonsoir, bienvenue. Patrice Dard, qui a repris la boutique, comme on dit, hein, oui, voilà, a repris la boutique familiale. Le fonds de commerce, même. Le fonds de commerce. Voilà. Vous aviez déjà commencé à coécrire avec votre papa sur les précédents San Antonio. Et puis là, depuis deux San Antonio, c'est vous qui les écrivez. Ah, ça fait 7. 7 ? Oui, parce que je passe pas à toutes vos émissions, malheureusement, mais... Il y en a eu d'autres entre les deux ? Celui que vous avez cité où j'étais venu, il y a eu 5 bouquets entre-temps. Mais ouais. Bon, pourquoi on en a moins entendu parler de cela, j'ai Mais c'est parce que si tu l'avais reçu à chaque fois, il était plus invité, il était chroniqueur. Là, c'est vrai. Non, il est vrai que deux fois par an, on peut pas non plus tout le temps faire du tapage. Ah, oui. Mais ils se vendent, hein. Alors, qu'est-ce que vaut ce dernier San Antonio ? Je ne sais pas si Sophie avait déjà lu des San Antonio très peu, avant, très peu. Mais c'est elle qui, chaque semaine, assure, vous le savez, la chronique littéraire de notre émission. Alors, Sophie, San Antonio tient le bambou. Alors, j'ai lu ça dans le Limoges Paris, qui n'est pas un train, qui n'est pas connu pour ses grandes animations. Et donc, j'avais ce livre en main, et je dois vous dire que pendant 3h30, je riais aux éclats. Si bien que mon camarade à côté, que je ne connaissais pas, m'a demandé des extraits du livre, et je pourrais vous en citer, si j'avais une bonne mémoire, je pourrais vous en citer plusieurs. Car en fait, il y a toute la verve de Dard, et moi, qui ne la connais pas par cœur, j'y ai pris du plaisir. Il ne faut pas bouder son plaisir. C'est paillard, c'est scato, c'est coca, c'est drôle, c'est franchouillard, c'est tout ce qu'on aime pour passer des vacances. C'est un livre qu'on a envie de citer régulièrement. On dit, dis donc, écoute, cette phrase, elle est rigolote, et ça vous met une ambiance d'enfer. Alors, l'histoire. Le San Antonio, toujours très perspicace, il a écrit des bandes dessinées et doit se tourner un film sur la base de cette bande dessinée. Et voilà-t-il pas que l'un des héros qui doit jouer le rôle de Berrurier et qui s'appelle, excusez-moi du peu, Gérard Troisdieu, est assassiné. Alors, une enquête commence dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, les deux compères trouvent des... Et à partir de là, l'enquête, elle est ce qu'elle est. C'est une histoire un peu rocambolesque, avec des rebondissements et beaucoup de balles qui arrivent, on ne sait pas d'où, mais ça fait rien. On cherche pas trop à savoir si c'est logique, si c'est pas logique. Ce qui est formidable, c'est la langue Dard. Il y a des phrases qui sont formidables. Par exemple, il est escorté, le San Antonio, à un moment donné, par une attachée culturelle ou autre, enfin une attachée d'ambassade, qui est black. Il dit, elle était tellement blague que si tu avais des lunettes de soleil, tu pouvais lui marcher dessus. Enfin, c'est une phrase comme ça, par inadvertance. Il n'y a que des phrases comme ça, c'est truffé. Tu ne peux pas ouvrir le bouquin sans saisir une phrase qui va te mettre en joie. Et cette joie-là, moi, je l'ai savourée parce que ce n'est pas tous les jours dimanche. Voilà. Parfait. Attendez, oh là, je sens un expert d'artiste, Philippe Gueluc, qui va pinailler. Oui, non, pas pinailler, moi j'ai le cœur brisé. Je sais pas pourquoi, j'ai je sens de mauvaise humeur et je me demande si d'ici à la fin de l'émission, il ne va pas y avoir un clash avec Amélie. Ça, c'est pas exclu, c'est jamais. Je suis pas du tout de mauvaise humeur. J'ai le cœur brisé aujourd'hui. Moi aussi. On pense à quelqu'un parce que j'ai jamais rencontré Patrice Dard, parce qu'il m'a regardé tout à l'heure. Et j'en ai larmes aux yeux parce qu'il m'a regardé comme son père, parce que j'ai bien connu son père. C'est un homme que j'adore, que j'admire et dont je connais l'œuvre sur le bout des doigts. On a eu une belle relation.
je n'ai envie de vous dire que des gentilles choses d'homme à homme, parce que vous êtes le fils de cet homme que j'aime tant, que je sens que vous avez tout pour que je vous aime aussi, sauf une chose, c'est que je trouve qu'il ne fallait pas toucher à l'œuvre du père. Frédéric Dard a inventé un univers qui lui était propre, qui était totalement... Cet univers, c'est un peu le mien aussi quand même. Vous oubliez que je suis son fils, que je suis la personne qui a vécu le plus, qui a travaillé avec lui, c'est aussi mon univers. Et je ne vois pas... ce sont toujours les amis les plus proches de mon père qui ont été les plus réticents. Voilà. Mais c'est logique. Hossein, qui est très copain, est très gentil avec moi, mais je le sens un petit peu dans son même lignée. Bon, il n'y a que Patrick Sébastien qui, lui, m'a soutenu complètement. Mais dans l'ensemble, tous ces grands amis ont été un petit peu... Alors que le public, lui, a compris. Oui, bien sûr. Je sais que vous la comprenez. Je comprends aussi votre côté sacrilège, mais même une œuvre d'un père, elle appartient un peu à son fils, et pas seulement les droits d'auteur. En même temps, je ne vous en fais évidemment pas le reproche. Je veux dire, c'est votre vie, c'est votre papa, c'est quelque chose que vous avez décidé ensemble, et c'est votre liberté, mais c'est la mienne aussi de ne pas vous suivre sur ce chemin. Et je le regrette, parce que je sais que vous avez du talent, et je sais que beaucoup de gens apprécient vos nouveaux livres, mais moi, je ne peux pas, je vous dis, c'est quelque chose qui me bouleverse. Je l'admets. Jean-Bernard Hébé. Je suis un immense fan de Saint-Antonio, que je n'ai jamais rencontré, mais on ne peut pas vous accuser de ça, puisque vous-même, vous avez fait fortune et vous aviez une vie tout à fait formidable avant de reprendre l'affaire familiale. Ça, c'est vrai. Donc on ne peut pas dire qu'il a fait ça pour de l'argent. Voilà, il a fait ça parce qu'il aimait en fait cette marque, parce que c'est devenu un univers, c'est devenu une marque, San Antonio. J'ai surtout fait ça aussi pour que San Antonio ne continue pas à mourir, parce que quand on est mort, on l'est en général définitivement. Et quand on est un auteur, on l'est encore plus, parce que son œuvre disparaît petit à petit. Et le fait de sortir des livres deux fois par an, fait que, oui, quand des émissions comme ça ou d'autres, on en parle, les gens continuent à parler de San Antonio. Mais c'est aussi une des raisons. Moi qui suis un amoureux de la première heure, et pour cause, je peux le moi prouver. Aussi, on doit avoir oui, non mais moi j'ai la collection complète des San Antonio dans la série noire, bonne d'époque, enfin je les lisais, mais à un moment, j'ai arrêté de lire, non pas à cause de vous, mais à cause de votre père. Pourquoi ? Parce que j'avais l'impression que ça y est, il était rentré dans une série télé. C'était Navarro, mais à la fin, je trouvais qu'il se caricaturait lui-même. Mais s'il a autant vendu, il n'y a aucune raison qu'on vous en veuille à vous de perpétuer l'histoire. Oui, parce qu'il y a une demande. Moi, je vois, je fais des signatures. Je vois la passion. Ah, moi aussi, la tous les jours sur les chèques, j'arrête pas. La passion qu'ont les gens pour mon père, je dis bien pour mon père. Hein. Ils viennent me voir, ils me regardent comme avec le regard que m'a lancé tout à l'heure Gay-Luc. C'est-à-dire une espèce de tendresse qui se reporte sur moi. Et c'est fort agréable. Sans doute que si j'avais une tronche d'oreille et que je sois désagréable, ça n'aurait pas continué. Mais les gens m'embrassent. Tout ça, ils sont demandeurs. Et Jean-Luc Lemoine, vous avez lu San Antonio ? Le problème, c'est que je n'ai jamais lu un San Antonio parce que je lis très lentement et là, je suis en train de finir les oui-oui. Là, je suis sur oui-oui le lapin zé. C'est une histoire très rigolote avec un singe qui a des oreilles de lapin. Enfin bon, je vous raconterai plus tard. Donc, j'ai essayé de trouver une question quand même. C'était difficile. Donc, au départ, San Antonio était un roman de gare. Donc, un roman qu'on lisait dans le train. Est-ce que l'arrivée du TGV lui a fait du tort ? C'est pas exclu. C'est pas exclu parce que... C'est une bonne idée, je vais faire plus court maintenant. Je vais faire des bouquins de 150 pages pour me formater au TGV. Caroline. Alors, malheureusement, je ne suis pas humoriste et donc je ne vais pas avoir autant d'humour que Jean-Luc pour vous dire que je n'ai jamais lu San Antonio. Est-ce que c'est la preuve que c'est essentiellement masculin? Eh bien, je le croyais et je l'avais dit. Merci, Laurent. Merci. Et moi, je le croyais. Je vous rappelle que je suis un garçon aussi. Je l'avais oublié, dis donc. C'est pas parce que vous ne lisez pas que mon assertion était fausse. C'est pas parce que tous les hommes ne lisent pas San Antonio. En revanche, il y a plus d'hommes que de femmes qui lisent San Antonio. Ça ne retire rien à votre charme. Merci, Laurent. Ça ne retire rien à votre virilité. J'ai failli pleurer. Non, je sais que vous êtes un homme viril. Alors, est-ce qu'on peut peut-être juste... Je sais que vous déconnez. Oui, Caroline. Ça va s'adresser à très peu de gens, puisque j'ai vu les tonnes de millions de livres de San Antonio qui ont été lus. Donc, s'il y a quelques personnes comme moi, et qu'elles devaient attaquer par le papa... quel est le livre que vous conseilleriez? Ah oui, ça c'est une bonne question. Le San Antonio qu'il faut lire pour quelqu'un qui n'en a jamais lu. De Frédéric Dard avant d'en lire un de Patrice Dard. Avant d'en lire un de vous. Ah ben, de toute façon, je dirais de commencer à lire ceux de mon père, parce que je suis resté un fils fidèle. Et modèle. Mais je pense que l'Histoire de France, qui est un roman policier, mais qui en même temps retrace l'Histoire de France à la manière de San Antonio, ça donne un bon éclairage.
Très bien. Je crois que je commencerai par ça. Bon, écoutez, San Antonio, tiens le bambou, c'est conseillé en tout cas par Sophie. Absolument. Pour se marrer. Un bon moment de détente. Un bon moment de détente. Restez avec nous. On va parler maintenant musique avec Jean-Bernard Hébé. Formidable. Alors, Jean-Bernard, quoi de neuf? Là, je suis surpris. La première personne dont vous allez nous parler, c'est Ariel Dombal. Et oui, parce que c'est toujours un bonheur. On dit, ça y est, la blondasse bimbo, on va se la faire, on va lui dire des méchancetés et tout. Et l'album arrive. Et comme d'habitude, le gros con, c'est moi. Elle est formidable. C'est-à-dire que plus elle fait son personnage d'image de synthèse, de bimbo, d'idiote au quotient intellectuel d'une huître, plus elle est vivante, plus elle est piquante, plus elle est belle, plus elle est extraordinaire et plus on a envie de la connaître et de la voir. Et vous allez voir, le clip qu'elle a fait, c'est, raconte l'histoire en gros d'une dame dans les pays d'Amérique du Sud dans les années 50. C'est en noir et blanc, c'est fait avec un humour extraordinaire. Je l'aime. On regarde. Rhum et Coca-Cola. Ça a l'air réussi. C'est super. Franchement, c'est super. C'est magnifique, c'est classieux, c'est une belle musique. Elle chante hyper bien. Chante très bien. Je ne savais pas, elle est née aux États-Unis, donc elle chante extrêmement bien en anglais. Elle a pris des grands classiques américains également. Une pure merveille. Parfait. Maroon 5. Alors ça, je connais moi. Alors Maroon 5, si vous regardez les classements des hit-parades partout en Europe, ils sont numéro 1. Je ne connaissais pas. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ces types qui vendent des millions de disques? Donc j'ai regardé sur Internet, j'ai écouté l'album. C'est formidable, c'est de la pop musique au sens pop comme les chewing-gums, c'est-à-dire ça fait une grosse bulle, ça fait pop, c'est très agréable, c'est sucré quand on sait sous la langue, et dans 2 ans, on ne saura plus qui c'est. Mais c'est vachement bien. On regarde. C'est bien ça, Caroline, non? Hein? Moi, je choisis Ariel Dombal. Vous choisissez quoi, vous? Dombal. Dombal aussi, vous? Maroon 5. Maroon 5. Ah oui, quoique, peut-être Maroon 5, moi aussi. Attention. Vous, Gueluc? Ah oui, Maroon 5. Il va falloir laisser votre place à Marjolaine. Ah bah je vais la laisser avec idole. Grand plaisir. Bon, San Antonio, tiens le bambou, c'est paru chez Fayard. Merci, Patrick Dard. Notre dernière invitée pour ce soir, nous allons l'accueillir maintenant, c'est une jeune femme qui a fait fantasmer de nombreux Français branchés sur la chaîne concurrente pendant l'été. En effet, l'année dernière, elle était déjà l'une des prétendantes de Greg le millionnaire. Elle l'avait d'ailleurs rendu dur de partout, c'est lui qui l'avait dit. Cet été, c'est elle qui devait faire son choix, chacun son tour, parmi des millionnaires qui, en fait, n'en étaient pas les salauds. Vous l'avez reconnu, il s'agit de Marjolaine. Elle ne fera pas Marjo et les millionnaires 2, parce que maintenant, elle a quand même compris le principe de l'émission. En revanche, le 27 septembre sortira son single, un disque, Geisha, un titre plein de promesses. Avant de recevoir Marjolaine à notre table, Hugues Delatte, le plus redouté des journalistes de Paris, va lui poser quelques questions. Passage obligé, Marjolaine face à Hugues Delatte. Bonjour, monsieur Delatte. Bonjour. Bonjour. Trois fois, monsieur. Marjolaine, ça? Oui, c'est ça. D'accord. Marjolaine, bonjour. Bonjour, monsieur Delatte. Bon, vous êtes connu. Ça devrait pas durer. Vous aimez bien chanter, danser et l'astrologie aussi. Oui. Vous voulez que je vous explique? Non. Alors, vous avez fait Greg le millionnaire, Marjolaine et les garçons. Est-ce qu'un jour, vous aimeriez faire de la télé? Et vous, vous aimeriez pas? Peut-être que vous pourriez me pistonner, non?
Quand vous avez fait la Real TV, est-ce qu'un jour vous comptez faire l'OMTV? Pourquoi pas? C'est peut-être intéressant. Parlez-moi de vous, parce qu'au bout d'un moment, j'en ai marre de vous poser des questions. Je fais un single qui s'appelle Gaïcha, qui sort le 27 septembre, où j'ai fait un vidéoclip à Cuba. Donc, où ça parle un petit peu de la société japonaise, des tabous. Et donc, en fait... Non, mais c'est bon. Alors, il y a un truc important, c'est qu'on n'arrête pas de parler de la mort de la cassette VHS. Est-ce que vous y croyez? Pardon? La cassette VHS. Oui. On parle de plus en plus de la mort de ce produit, quoi, de la cassette VHS. Comment vous voyez l'avenir, quoi, par rapport à ce support? Ben, je le vois avec des CD, des DVD. Les CD, ouais, c'est la mort de la cassette VHS. Voilà, ouais. Alors, Alain Chamfort s'est fait virer de sa maison de disques et vous sortez un single. Alors? J'ai pas tiqué. Vous voulez vraiment que je répète la question? Ouais. Il y en a d'autres, mais en l'occurrence, Alain Chamfort s'est fait virer de sa maison de disques et puis vous, chantez. Vous pouvez répéter encore une fois? Non, c'est bon. Ça vous fait plaisir? Ah, ça me fait pas plaisir, c'est une constatation, simplement. Bon, alors on passe à la question suivante. Ah, alors là, c'est une question complètement classique. Vous habitez quel étage? Pourquoi vous me posez cette question? Parce que je suis journaliste professionnel, je pose les questions que je veux. Mon premier étage. Premier, ouais. Ouais. Vous avez habité d'autres étages au départ? Non, que le premier. C'est ma passion. Et enfin, j'ai creusé et là, ma cousine Dolores Boudboul m'a dit que c'était important de connaître la grammaire. Alors bon, je vous propose qu'on conjugue le verbe se méfier au plus que parfait du subjonctif pour commencer. Allez-y. Plus que parfait. Ça commence par « que ». Que je me méfie, c'est ça? Non, c'est « que je me fusse méfié ». Ah. Bon, bah, que... Je suis obligée de le faire, là? Non, bon, on va faire « manger au présent ». Allez, on peut applaudir Raphaël Belzaï et Marjolaine. On va vous taquiner, hein. Bonjour, bienvenue. Je vous en prie. Écoutez, en tout cas, on peut commencer par dire que vous avez un très joli prénom, j'adore ce prénom. Alors, ce prénom, justement, vous est un peu tombé dessus par hasard, parce que votre papa, j'ai lu ça, est-ce que ouais. C'est vrai, a mis le doigt sur le calendrier, pouf, c'était écrit Marjorie, mais il n'a pas bien vu, et il a cru que c'était Marjolaine. Oui, c'est exact. Ouais. Il serait tombé sur Jour des Morts, par exemple. Ça aurait été embêtant. En tout cas, maintenant, vous chantez, ça s'appelle Geisha. Ouais. On peut rappeler ce que c'est qu'une geisha? À la base, c'est une femme qui suit une éducation, donc pour connaître toutes les exigences d'un homme, mais elle ne couche pas. Et du fait qu'elle ne couche pas, c'est devenu un fantasme, et d'où les déviances sexuelles de l'art. Mais c'est comme le mec du bistrot en bas de chez moi, il sert le thé, le café, mais il ne couche pas non plus. Voilà. Regardons un extrait du clip de cette chanson, tournée à Cuba, vous l'avez dit. Oui. Geisha. C'est rigolo à avouer, parce que franchement, pardon de vous poser cette question, mais pourquoi aller à Cuba pour tourner des images essentiellement asiatiques? C'est vrai que ça n'a rien à voir, mais c'est parce que l'équipe de tournage donc, était québécois d'origine. Ah oui, tout s'explique. Et donc pour eux, c'était... Et on entend l'orchestre mexicain avec les grands chapeaux qui jouent, mais on ne les voit pas. Donc, non, mais c'était plus simple pour eux de faire 4 heures de vol, d'amener tout le matériel, que d'aller en Asie. Ah oui, depuis le Québec. Ouais. J'ai compris. Ouais, voilà, parfait. C'est la première fois que vous chantez? Non, j'étais dans une chorale quand j'étais jeune et puis je faisais du piano, donc voilà. Bon. Mais c'est ce que vous avez envie de faire ou c'est plus comédienne? Puisque je sais que vous avez fait les cours Florent bien avant qu'on vous connaisse dans la télé-réalité. Bah, disons que la comédie, c'est quand même plus long
à entrer dedans parce que c'est très long en préparation. La musique, c'est un peu plus rapide et on a des, non, on a des résultats de suite. Je ne peux pas laisser dire ça, c'est pas vrai. C'est-à-dire que maintenant, on a l'impression que le diplôme de fin d'études de la télé-réalité. mais pour des artistes qui commencent normalement, c'est beaucoup plus difficile de faire un disque. Il faut être honnête, vous dites que c'est non, facile. Mais disons que par rapport donnez pas l'illusion aux gens que tout le monde peut faire un disque. Si on fait la télé-réalité, oui, on peut faire un disque, mais sinon, non. Non, mais ce que je veux dire, c'est que par rapport à ma notoriété, j'ai pu accéder plus facilement au niveau de la musique. Ah. C'est tout. C'est ça que je veux. Excusez-moi. Caroline Diamant qui s'y connaît. J'ai travaillé dans le label dans lequel vous êtes signée. C'est pas vrai. Vous auriez pu vous occuper de Marjolaine, alors? Ben, j'ai quitté il y a longtemps et... Elle a préféré partir avant. Ça, c'est pas sympa. J'aurais été ennuyée de travailler sur, un disque. Je trouve que c'est très efficace. J'ai pas envie d'être violente avec vous, parce qu'après on va dire, forcément, elle est moche, elle est jalouse. Comment dire? C'est une merde très efficace, votre disque. Je suis désolée. C'est ce que je pense, en tout cas. Non, mais j'espère tout à fait votre choix, et il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Non, mais attendez, c'est très efficace. On l'a écouté, on l'a dans la tête, non-stop. Je sais même pas si c'est une reprise ou pas, c'est une reprise d'un tube... du groupe Baccarat, c'était en 1976, c'était Yes Sir I Can Boogie, et l'air, en fait, est le même air, mais c'est Thierry Sforza qui a adapté les paroles en fonction de mon personnage de Greg le Millionnaire. D'accord. Jean-Bernard, vous deviez connaître la chanson originale, non? Oui, mais je ne l'ai même pas reconnue. Je l'ai écoutée deux fois ce matin parce que je ne voulais pas en croire mes oreilles, mais c'est pas ma tasse de thé, quoi, c'est pas mon truc. Mais je comprends très bien, Mademoiselle tire sur un écheveau, sur un bout de ficelle, et elle tire, et elle a raison, elle a fait de la télé, maintenant elle fait un disque, et bientôt elle va faire une pièce de théâtre, et c'est formidable, très bien, tant mieux, sans moi. Bon, Philippe Gueluc, vous avez aimé cette chanson? Moi j'ai écouté ça avec beaucoup de plaisir, je trouve que le clip est très joli, mais en fait je ne vous connaissais pas, parce que je ne regarde pas la télé l'été, je n'ai pas vu toutes ces émissions, donc j'ai consulté le dossier de presse, et j'ai lu deux choses qui ont retenu mon attention. C'est que vous, en parlant de l'émission avec Greg, vous disiez « La vraie millionnaire, c'est moi. Je suis issu d'une famille aisée. Mon père est rentier. L'argent, j'en ai pas besoin. Je m'en fous. » Et donc, vous aviez un peu le sentiment de jouer dans l'émission Greg le Pecnot, finalement. Oui, entre... C'est vrai, ça? Vous êtes d'une famille très aisée? C'est pas très aisée, mais disons que mon père a énormément travaillé dans sa vie pour que ses 14 enfants puissent vivre dans le confort. Il faut beaucoup travailler, parce que 14 enfants, il faut les nourrir, quand même. Pour 14 enfants, c'est il vaut au moins deux Blanche-Neige. Et Non, mais c'est juste un mot. C'est un vilain, gueule, du coup. Retour en Belgique, va-t'en. Maureen Dor. Je suis très perturbée. Pourquoi? Je suis hyper perturbée. Mais parce que moi, j'avais prévu des questions pour la fille que je vois dans les magazines, qui me regarde méchamment, qui me donne l'impression qu'elle peut me bouffer toute crue par une pique. Et là, je m'excuse, vous avez l'air de toute petite chose, pas contente d'être là, un peu tristoune, un peu... Alors moi, j'ose plus poser mes questions qui étaient un peu piquantes, j'avoue. Je faisais un peu Marjolaine du pauvre, quoi, donc... je peux ou... Non, ça va pas? Je suis pas... Et vous avez pas l'air du truc de... Non, mais c'est très bien ce que vous avez fait. Mais attendez. La pauvre, c'est pas rigolo. Elle arrive, bon, soyons honnêtes, elle arrive, tout le monde a une idée préconçue parce que TF1, parce que Greg le millionnaire, parce que certaines photos. Bon, et c'est pas facile toujours d'assumer ça. Et nous, effectivement, telle la cage au lion, on livre une jeune fille à quelques vieux barbons qui disent des choses plutôt désagréables. On c'est pas vrai méchant, que c'est pas agréable. Attends, Philippe, t'as vu? C'est à cause de toi, tu dégages. Philippe, tu dégages. Alors, on n'est pas méchant, je vous jure. Bon, on va donner la parole à Sophie. Reprenez-y. Tout va bien se passer. Le sourire. Regardez, Philippe Gueluc revient. Je voulais trouver des fleurs pour vous les offrir à me faire pardonner. J'ai rien trouvé, alors je vous ai ramené un sandwich. C'est tout brille, j'espère que c'est gentil. Vous aurez des fleurs tout à l'heure. Parce que c'est pas gentil ce que vous avez dit sur Blanche-Neige, Philippe Gueluc. Mais c'était pas méchant. Ils ont 14. Comprenez mon raisonnement.
Ils sont... Sophie, non, non, vous n'avez plus la parole, Philippe Gueluc. Bon, alors moi, ce disque, je l'ai mis une première fois, j'ai beaucoup aimé, mais j'ai pour habitude d'écouter surtout ce genre de produit que je ne connais pas bien, de l'écouter plusieurs fois. Il a un seul défaut pour moi, c'est qu'un seul titre est très court. Et moi, je n'écoute la musique, ou je lis, ou je fais beaucoup de choses qu'au lit, à part la cuisine. Hein. Je fais tout au lit, et le temps de mettre le disque, je m'allonge, paf, il s'arrête, c'est fini. Je me relève, j'ai fait une gym à cause de vous, d'enfer. Je l'ai écouté 10 fois, je me suis relevé. Il est beaucoup trop court, mais cela dit, la mélodie reste en tête, et j'en ai très peu, et donc c'est un produit réussi. Je vous félicite. Philippe Gueluc. Un compliment. Un vrai compliment. Tout à l'heure, on m'a demandé de dire mon avis sur votre disque. J'ai dit, ce titre est mon préféré de l'album. Ils m'ont dit, c'est un single. Bon, c'est pas de ma faute. Non, parce que... L'album est à venir? Oui, l'album est en préparation, et je veux juste voir ce que ça donne au niveau du single, c'est tout, mais... Bah écoutez, on vous souhaite tout le succès que vous pouvez espérer dans le monde de la chanson, après avoir reconnu du succès dans le monde de la télé-réalité. C'est assez rare hein, de faire deux émissions de télé-réalité. Ouais, je crois que je suis la première à le faire. Et moi, je suis contente parce que voilà, c'est pas parce que j'ai fait de la télé-réalité qu'on a à me juger ou avoir des préjugés par rapport à ça. Non, mais ce qui est fou. C'était une révolution, cette émission de télé-réalité, parce que moi, je l'ai regardée. Et c'est vrai que, en plus, moi j'ai l'impression de bien connaître Marjolaine, parce que j'ai cru cet été qu'elle avait racheté Télé 7 jours. Elle était en couverture toutes les semaines, donc ça c'était très impressionnant. Et en plus, dans l'émission, c'est comme la seule émission de télé-réalité qui dure 52 minutes, où il y a 50 minutes de résumé de la semaine précédente. ça repassait en permanence, ça c'est fabuleux. Dites Marjolaine, c'est quand même terrible, parce que c'est vrai que là, on vous voit, on vous reçoit sur ce plateau, on vous sent fragile, sensible. Mais quand même, on vous imagine, après tout ce que vous avez vécu dans ces deux émissions, et je parle pas seulement des émissions, mais surtout les retombées presse, ce qu'on a pu dire, ce qu'on a pu lire, ce qu'on a pu entendre, ce qu'on a pu raconter sur vous, on vous imagine mieux armé pour affronter un plateau de télé, quand même. C'est très paradoxal, cette situation, je trouve, non? Bah, disons que, quand même, finalement, je suis une jeune fille, j'ai 23 ans, donc... Mais sachez bien que, je veux dire, nous, on a... Ça va. C'est qu'on a évidemment... Ta gueule, grincheux. C'est évidemment qu'on a... On n'a rien contre vous, on vous trouve mignonne, sympathique, etc. Simplement, si on tenait un de ces types qui produit ces émissions, on lui ferait passer sans doute un moins bon quart d'heure. Bah, disons qu'à partir du moment où les gens voient en face d'eux qu'ils ont une personne Il forte... Il est en coulisses, on peut le faire venir si vous voulez. Ils ont envie de la casser, de la démonter jusqu'à ce qu'elle faiblisse. Et quand ils voient une personne faible... Ils ont envie de la monter sur un piédestal. C'est la mentalité française. Moi, j'y suis pour rien. Là, j'ai quand même revenir. Bon, je vais pas faire mes petites questions, mais vous êtes quand même... Dans les interviews que vous avez données, vous n'arrêtez pas de faire passer, vous n'arrêtez pas de dire que Greg, l'ex-millionnaire, a un QI d'huître. Mais franchement, il faut avoir combien de QI pour croire quand on voit 20 mecs qui ont 20 ans, qui sont vraiment millionnaires? Vous savez, je me suis pas vraiment intéressée du fait que les jeunes garçons soient millionnaires ou pas. J'ai plutôt appris à les connaître, plutôt qu'à voir ce qu'ils avaient dans leur portefeuille. Donc pour les gens qui ont vu mon émission, je crois qu'ils l'ont vite compris. Peut-être que vous n'avez pas regardé l'émission, donc c'est pour ça que vous n'avez pas compris. Maureen n'a pas compris, elle a un QI de moule frite. Entre nous, on peut. Mais qu'est-ce qu'il a, Philippe, aujourd'hui? Il est méchant avec tout le monde. Ça, c'est la méthode de Drucker, ça. Oui, j'ai été gentil pendant trop longtemps, ça doit s'en dire. J'ai lu, mademoiselle, que vous alliez faire un film qui va s'appeler Bikini Bandit, avec Joey Starr et Ophélie Winter. Est-ce que vous pensez que ça va remonter votre aura dans les médias? Si je suis amenée à faire un film, c'est pas une question de remonter ou pas au niveau de l'image. C'est une question d'expérience et voir ce qu'on peut donner. Et par rapport à ça, oui, je vais sûrement faire des navets dans ma vie. Mais de toute façon, les mauvaises choses amènent des expériences. Donc... J'aime pas quand on a l'air injuste. Vous m'attendrissez d'avoir pleuré. Et j'aime pas qu'on ait l'air méchant. Mais vous excusez pas d'être ému. Mais j'aime pas qu'on ait l'air méchant. Mais je voudrais que vous compreniez juste que on cherche pas. On lit vos interviews. Il y a des choses. Par exemple, vous dites à un moment donné, j'ai eu une piqûre de moustique dans l'arrêt des fesses. Excusez-moi, c'est dans deux ou trois interviews. Ce genre de phrase... Bon, d'abord, moi, je me suis posé une question. Je me suis dit, mais dans quelle position elle était pour que cette partie de son anatomie soit exposée à la piqûre d'un moustique? Bah, mais... une partie de jambe en l'air avec un cousin. Peut-être dormir nu dans le lit.
N'écoutez pas ces vilaines langues, ces langues. Moi, je suis là pour vous aider. Mais c'est pas nous, ce méchant-là, c'est la presse. Et surtout lui, là. Non, mais Philippe, en fait, c'est une vilaine vengeance. Vous voulez que je vous dise pourquoi? Parce que l'album s'appelle Geisha, et lui, il veut pas qu'on dise que son chat est un PD. Marjolaine, restez encore avec nous 3 minutes, vous allez pouvoir venger sur d'autres personnes, ce sera le kick à déconner. Vous savez, hein, on est parfois très dur parce que là, par exemple, je suis obligé de lire une lettre qu'un avocat m'a envoyée. Alors, c'est monsieur André Schmitt et monsieur Goldgrab qui sont avocats. Monsieur, objet de lettre. Mireille Mathieu, concert télévisuel du 25 août. Votre émission du 10 septembre. Mademoiselle Mireille Mathieu, dont je suis le conseil, a été fortement émue par les propos que vous auriez tenus à l'antenne à propos du concert du 25 août dernier, qui a donné lieu à un incident indépendant de la volonté de Mademoiselle Mathieu. Il ne s'agissait pas d'un sonotone, bien entendu. Mais d'une défaillance technique au niveau du matériel, lequel, demeuré sous la pluie, n'a pu fonctionner convenablement. Voilà, c'est fait, c'est dit. On a corrigé cette erreur. Nous, qu'on croyait que c'était un sonotone, alors... Mademoiselle Mireille Mathieu n'a pu, de ce fait, se produire normalement. Elle souhaiterait que vous puissiez, dans une certaine mesure, réparer... Le sonotone. Réparer le propos malheureux que vous avez exprimé à son sujet, de façon que le public comprenne bien qu'il s'agissait d'un incident matériel. Et là, monsieur Schmitt, le message est passé. En plus, moi, je lui dis à mademoiselle Mireille Mathieu, mais j'adore Mireille Mathieu. Elle veut pas venir le jour où elle viendra, mais ce sera fini, on la trouvera sympa, on s'amusera avec elle, ça se passera comme avec vous. Non, peut-être pas quand même, mais... Promettez mais en tout cas, chose, si Mireille vient, oui. Vous n'invitez pas Gueluc, c'est tout. Ah non. Voilà. Dites moi, Mireille, elle n'a pas de nombreux frères et sœurs. Oui. Aussi. Oui, et vous savez comment on appelle sa maman? Allez, le kick à déconner. Alors d'abord, le classement de la semaine, on est vendredi. Regardez un peu qui est dans le top 10. En 1, Sarkozy. En 2, Pasqua. En 3, Madonna. Douste Blasi est en 5. L'entraîneur de PSG avant en 4. Les 5 suivants, nous avons Navarro. Raffarin est à égalité avec Navarro. Le chanteur Raled, qui en une seule fois a fait 210 points dans l'émission d'hier. Noël Mamère derrière. Britney Spears ensuite. Et attention, il peut y avoir du changement encore ce soir, puisque voici les noms que je vous propose. D'abord, Tom Cruise, c'est son entrée dans notre classement. Pourquoi? Parce qu'il a été inauguré samedi dernier à Madrid un nouveau siège de l'église de Scientologie. Et le problème, c'est que dans le centre-ville de Madrid, on distribuait des tracts aux jeunes pour les inviter à une fête à laquelle allait venir Tom Cruise, mais c'était une fête organisée par l'église de Scientologie. Tom Cruise, secte symbole, 0, 10, 20 ou 30 points, Maureen. 30, évidemment, c'est dramatique, mais c'est même pas une connerie, c'est dangereux. Jean-Bernard. Grand acteur, mais piètre religieux. Grand Sophie. Acteur, pas très grand, et piètre. Gueluc. Bien fait pour sa gueule, il est trop beau. Caroline. 20 points. C'est une connerie, mais j'ai enlevé 10 points par rapport aux autres parce que je pense que ceux qui organisent se permettent de faire des tracts en utilisant son nom. Oui, peut-être lui, sans il même sait qu'il pas le sache. Forcément, ça c'est sûr. Parce qu'on en a marre, Madonna, Cruz, tout ça qui nous gonfle avec leur crise métaphysique, on s'en fout quoi. Et vous, 30 points? Moi, 30 points parce qu'il y en a marre des mythos. Parfait, alors ça fait un total de 200 points. Belle entrée. Oh là là. Il rentre dans le top 10. Madame Chirac, je vous propose maintenant. Attention, elle a déjà 90 points, Bernadette, dans notre classement. Pourquoi? Il paraît qu'elle est de mauvaise humeur, Madame Chirac, en ce moment. Et quand on approche Madame Chirac, il paraît qu'elle réplique tout le temps. Il n'y en a plus que pour les Sarkozy. Allez donc voir Madame Cécilia. C'est la guerre. Alors, 0, 10, 20 ou 30 points pour cette jalousie peut-être extrême. Je dis 10 points parce qu'en fait, tout ça montre que Madame Chirac est malheureuse de ne plus être en tête des sondages de la femme préférée politique des Français. Et quand on est malheureux, on est agressif. Bon.
30 points parce que la pauvre, d'abord, elle voit en Sarkozy et Cécilia le futur couple présidentiel et donc on va lui prendre sa gamelle, elle aime pas ça. Et puis... Sophie bon. 0 points parce qu'elle s'exprime comme je m'exprimerai. Si t'es pas content, tu vas voir même Cécilia. Philippe 10 points parce que c'est pas bien d'être jalouse, mais il y a peut-être autre chose aussi, c'est qu'elle se rend compte que depuis qu'il collecte les impôts, le couple Sarkozy doit compter plus de pièces jaunes qu'elle. Caroline 30 points, parce qu'avec tous les avantages d'être première dame, je pense qu'on doit au moins mesurer ses humeurs. Parfait, vous, mon cher Jean-Luc. Parce que c'est de sa faute, elle n'avait qu'à pas dire qu'elle allait acheter des disques de Laurie. Et vous, 20 points. 20 points, parce que je suis contre la jalousie philibinine, mais en même temps, je la comprends. Bon, parfait, donc on va dire une note mitigée. Ça fait un total pour Madame Chirac, qui avait déjà 90 points, de 120 points. Ça lui en fait 210. Suite du prochain numéro, lundi. Merci, Geisha. Merci à vous. Allez, Marjolaine. Bon week-end. Même si vous avez été un peu méchant. Non, non. Juste Philippe, juste non. Philippe. Non. Moi. Un petit peu toi et un petit peu mais toi. Juste mais méchant. Bon, merci, vous avez été gentil. Ah, un bisou. Merci. Elle embrasse le seul qui s'en fout. Elle embrasse celui qui a le pognon. Voilà. Bon week-end.